Une manière de prendre le problème, des recettes supplémentaires. L'autre manière, c'est des dépenses en moins. Ça me paraît tellement plus logique. Oui, mais c'est-à-dire où que pour le budget de l'État, je peux vous faire une liste longue comme le bras. Parce que personne, tout le monde dit, il faut faire des économies, mais personne dit lesquelles. Alors moi, je vais vous dire, parce que pour le coup, c'est un sujet qui me passionne. J'étais magistrate à la Cour des comptes, c'était mon métier d'épingler les ministères et de voir où il y avait des dépenses. Si vous voulez, vous allez voir le budget de l'État, vous regardez ligne par ligne, et vous-même, autour de ce plateau, vous allez vous dire, mais c'est pas possible qu'on dépense autant dans ça. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'on donne 800 millions d'euros à l'Algérie, en aide publique au développement? Est-ce que vous savez qu'on donne, par chaque année, 120 millions d'euros d'aide publique au développement à la Chine, c'est-à-dire la première puissance économique du monde? On l'aide à se développer, nous, la France. Alors qu'on est en train de faire des appels aux dons pour financer des scanners à l'hôpital Georges Pompidou. Donc nous, on en est là, et on aide, chaque année, la Chine à se développer. Et alors pourquoi on n'arrive pas à couper tout ça, puisque effectivement ça paraît évident que on pourrait éviter de donner de l'argent à la Chine. Il y a des accords économiques. C'est toujours des accords aller-retour. C'est toujours aller-retour. Il y a jamais d'accords qui vont que dans un seul sens en fait. Alors toutes les aides ont une contrepartie. Alors trouvez-moi la contrepartie algérienne. Je vous mets au défi de me trouver de quelle manière l'Algérie contribue à l'économie française. J'ai pas la réponse là, mais les accords pour avoir. Je sais qu'il y a des accords toujours. Dans les accords, c'est toujours à double partie. Vous savez, c'est comme on a critiqué quand on a signé des accords pour l'exportation de nos produits ou pour l'importation de produits étrangers. Mais en fait, on exporte plus de produits agricoles qu'on en importe. Grâce à ces accords, vous voyez. C'est un sujet totalement différent. Là, vous êtes en train de parler des accords de libre-échange. Moi, je vous parle de l'aide publique au développement. Oui. L'aide publique au développement, c'est-à-dire que c'est la France qui croit encore qu'elle est dans son rôle des années 60 d'aller aider les puissances émergentes du monde entier, mais qui n'a pas compris que la Chine n'était plus une puissance émergente, mais la première économie du monde. Et je vous mets au défi d'aller trouver typiquement sur le sujet de l'Algérie, sur les pays africains à qui on donne des milliards d'euros chaque année, d'aller me trouver la contrepartie que la France en retire. Justement, on n'obtient même pas d'eux le fait de reprendre leurs clandestins. Ouais. Alors de là à penser qu'ils nous donnent.